Claude, on était juste en train de parler de comment faire pour faire dormir ta fille. Bonjour Dess. Salut. Salut Dess, ça fait longtemps. Est-ce que passe que... Ça veut dire qu'une région de France. Je ne sais pas du coup quelles sont les implications de ton personnage en RP du coup. Juste pour info, on est au sanctuaire, mais ça se sait qu'on est au sanctuaire normalement. Oui, après ce qu'on va faire au sanctuaire, ça se sait pas forcément. Oui, enfin oui, on y va pas pour faire des crêpes. Hein. Ah bon ? Moi qui avais sorti tout l'attirail pour ? Bon allez, je vous laisse, à toutes. À voilà. Tout de suite. Bah, moi, c'est ce qu'on m'avait vendu, hein, faire des crêpes de démons, là, à coups de marteau. Alors, apparemment, on va s'attaquer pas forcément à des démons, mais il faudrait qu'on nettoie un petit peu les forêts envahies par des araignées géants et des scorpions. Ah non, on n'en est pas tout de suite là. Oui, mais non, mais en fait, c'est ça, parce que la dernière fois, on s'était vraiment arrêté dans le sanctuaire. Alors, oui, je sais. L'exploration. Donc il faut déjà qu'on se fasse le sanctuaire, et une fois qu'on s'est fait le sanctuaire, on voit ce qu'on fait en prochain mouvement. Bah en fait, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Je transmets juste l'information. Mais quitte... Attends, excusez-moi, excusez-moi, okay. Petit détail, là, on parle en RP ou en méta? En RP, je pense. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que là, on est dans le... Ok. T'as gagné le droit de vous faire jouer ? Elle envoyait les mails. Entre... On tape sur quoi ? Ah oui, c'est vrai qu'on était en train de visiter le sanctuaire et qu'on on a découvert une zone. Ok. Ah. Tout à fait. Très bien. Très bien. Celui-ci. Moi, je vois des trucs sur la map d'Alarian qui me font un petit peu légèrement tiquer. Oui, moi aussi. De quoi un... Oh, il y a Ninganel qui est revenu, c'est cool. Ouais, mais en plus, on n'est pas proche de quelqu'un dont je suis... Ah, d'une Mia qui est qui a clairement où on a clairement l'envie de taper dessus si on la croise. Je vois pas de quel groupe tu parles. Alors ça non, parce que
Même pour Elendir, il y a la présomption d'innocence pour l'instant. Donc non, pas forcément tapé à vue, Ah mais oui. je pensais même, j'avais même pas fait gaffe à elle, tu vois. Non, moi c'est juste de réputation d'un certain perso qui est juste en haut à gauche de nous là. Crotch? Non, ça doit être Cliss ou Eka. Non, 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 je pensais ou à Scrotch, oui, mais peut-être que je confonds. À ce moment-là, Non, j'ai essayé de... Scrotch, le mec adepte du... Bonjour, on fait du commerce de d'armes de destruction massive. Oui, Voilà, Scrotch. c'est bien ce qui me semblait. Non, ce que je veux Pardon. dire, c'est qu'il y a un personnage qui n'apparaît pas sur la carte et qui pourtant est en train de sacrément agir. Et c'est là où c'est très drôle. Mais que littéralement, personne ne peut savoir où il est. Je vais. De quoi? Bah là, je sais où est Mia. Tu sais, je vois où est Tempest. Je sais pas ce qu'il allait foutre là-bas, mais bon, il est Moi j'ai une là-bas. petite idée vu ce qu'il y a là-bas. Ah, moi, je sais, moi, j'en sais rien, j'avoue. Ah bah Jost, je sais ce qu'il y a à Jost, donc voilà. Et il a pas intérêt à aller faire des conneries là-bas sinon vous J'avoue allez que se faire engueuler par la carte. Ninganel, ça, je connais pas. Ninganeth, c'était un barde qui a commencé avec Tempest, Dirando et Morksan, de mémoire. Ah, d'accord. Ah, c'est lui le fameux barde, d'accord, ok. Je crois que j'en ai entendu parler. Par contre, il y a beaucoup de groupes qui sont assez proches, hein. Ilou, Scrotch, Ninganel, Mia. Oui. Et c'est pour ça, Après, au parce niveau que temporaire, on est Ilou, c'est plutôt nous. vraiment français. Ouais, niveau temporaire, faut que je Oh! remette les signalétiques. Pour l'instant, j'ai pas fait, mais. Non, Sauf. parce que moi. Alors, Par contre, au-dessus de moi on d'un aurait. doute. Temporairement, il me semble que nous. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, donc c'est pour ça, ne réagis pas à ce que je vais dire au Caris. Mais Ilus, il me semble qu'on est même avant le mariage. Alors, attends, 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 parce que depuis la dernière fois, Sachant que je sais même pas si ça s'est passé, ou Oui, si ça s'est peut-être passé. vous êtes un jour avant le mariage. Voilà. Ah oui, donc en termes de temporalité, on n'est pas du tout. Par Mais contre, je me dis que y en a un qui, sa prochaine séance, va passer devant tout le monde en temporalité. il est déjà passé devant tout le monde. Bah ouais, non, mais il vient de passer un mois à travailler aussi. Mais vous le voyez pas sur la map, lui il est caché. Par contre, Niven et Laurent, ils apparaissent plus. Non, mais ça, c'est Ilous, Niven et Laurent maintenant, on a fusionné. Ah d'accord, ok. Ah oui, Eno, ok. Alors, on a fusionné et on a récupéré un autre perso parce qu'on en a limite perdu. Hein. Vous Et en on avez. risque d'encore switch. C'est là qui est très drôle. Comment ça, Switch? Ben oui. Bah, selon les informations qu'on a, entre guillemets, à la prochaine session, il y a des chances que Morsan et moi, on quitte le nord vers le sud. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui. Moi, je suis. Enfin, il y a aussi potentiellement, je pars en solo aussi. Oui, non, mais voilà. Donc, il y a potentiellement chance qu'on se switch. Oui, c'est pour Je ça que je me pense que dans ce suis. cas-là, on... C'est pour ça que j'ai clarifié c'est pour ça que j'ai clarifié la map pour moi, parce que sinon Alors, j'ai. moi par contre, il y a. Pardon. Non, non, vas-y, c'est bon. J'avais une question. C'est qui le Triceratops? Ouais, c'est vrai que je me pose la question aussi. Ça, c'est. À qui j'en ai parlé? Ah, c'était peut-être la semaine dernière à la team Eka Attends. et Klisnat. C'est l'équipe. Attends. Ou peut-être avec vous sur Illus, j'en ai peut-être parlé. Non, non. Est-ce que c'est un lien avec le Triceratops qu'on avait Pardon. dompté? Alors, en fait, ça avait un lien. Oui, c'était Klisnat, oui. Oui, c'était à votre partie que j'en avais parlé, où il y avait un Triceratops qui était garé en double file dans la villa d'Amen. Ouais, bah c'est ça, oui, bah celui qui est là, c'était nous, Illus, qui l'avions rencontré et qui C'est l'avions ça. ramené. Donc en fait, Triceratops, c'est Wolf, Ahel et Califren qui sont là. Mais c'est une équipe de PNJ. Mais attends, mais c'est des. Mais ils jouent? Non, c'est une équipe de PNJ. Mais du coup, je me suis situé les Ah oui, c'est PNJ bien quand ce qui même. me semblait. Mais qu'est-ce qu'ils Oui. sont allés foutre là? D'accord, ok. Parce que. Je sais pas, mais Allô? à leur place, j'aurais évité cette zone-là, c'est pas une bonne idée.
Mais attends une seconde, parce que au dernier. Ah ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses, hein. Et Faut vraiment qu'on discute de 2-3 trucs, l'honneur. ouais, oui, avec oui, Mais je du sais à coup, qui. non, mais attends, oui, mais après, bon, Passman nous attend, reprenons. Non, mais Passement, il se régale parce que je crois que l'équipe Triceratops, il a une petite idée de ce que ça veut dire. Deux équipes Baran, hein, mais Bah oui, l'équipe Baran s'est splittée. En fait, il y a une équipe de commando espion et il y a une équipe de commando. Comment on pourrait appeler ça entre Garrok Rambo. et Jacine? Rambo, ouais. Plutôt opération spéciale. Comme tu Mais veux. oui, on appelle ça ici la classe propagande. Ah non, on appelle ça aussi la. Bon, communément, on appelle ça la classe. Même ceux qui sont après tout ça fait des places. Putain, et pourquoi dire te séparer de cette team au fait? Ah oui, c'est vrai. Parce que franchement, il y avait une équipe qui fonctionnait avec lui et une autre équipe qui ne fonctionnait absolument pas. Ça tient. Alors, une dernière question qui ne concerne pas de ma part, c'est quoi, c'est qui Mola? Je vois que juste à côté, il y a de la roche. Là, c'est l'implication de Baran à la base, non? Ouais. Oui. C'était pas le suivant de Mia? Mia de Jacine? Si. Si, c'était sa garde du corps. C'était. Oui, c'est devenu un PNJ. Enfin, c'est un PJ qui est devenu. Yes. D'accord. Putain, t'en perds des joueurs sur Alarion. Oui, c'est pour ça que. Ouais, c'est pour ça que c'est des parlez-moi qui disparaissent. Disons, hein, en fait. Bah, il y en a qui disparaissent, il y en a qui se splittent, et il y en a qui se fusionnent, et voilà, c'est sa vie, quoi. Non, non, mais il y en a qui se fusionnent et qui vont se resplitter. C'est ça. Parce Oui, c'est que vrai il me aussi. semble que Nuit et Laurent, il y a des chances que ça se resplitte, en fait. Ah ouais, non mais clairement. Genosuke. Mais absolument parce que les personnages sont pas mal, hein. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est parce que les personnages ont chacun leurs objectifs. Mais après, je te dirais qu'au Après, on va niveau. se splitter. Au On va se niveau. splitter, en Ouais. fait, il y en a un qui va se barrer du groupe, c'est tout. Mais Oui, c'est vrai, parce que oui, Malariel n'a aucune raison de me suivre, en fait. Ouais. pense qu'on va faire on va demander quand même à Malariel de te suivre, histoire de t'escorter. Ah non, non, mais moi ça me va. Hein. Bah toi, en attendant, cette place. Ça a été que j'ai mis Oui, non mais en fait oui, faudrait peut-être qu'on arrête de parler de ça. parce que ça avait commencé depuis une demi-heure. Voilà, c'est vrai. Enfin, nous, environ un petit quart d'heure. Oui, un bon quart d'heure. Du coup, où en étions-nous, MJ? C'est marrant parce que j'adore poser la question. Oui, c'est pour ça que je l'ai posé avant toi. Je vois ça, tu m'as eu là, sur ce coup-là. Je sais, t'inquiète, l'expérience. Du coup, alors moi, de ce dont je me souviens, Deline en particulier, vous a demandé à ce que vous alliez fouiller du coup ce sanctuaire pour trouver un complément de preuve par rapport à un certain nombre de choses. Je crois que même ça a Je été crois qu'il exprimé de avait cette parlé façon. de nettoyer, pas de fouiller. Mais Ah ouais, non, 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 il y avait. Alors, moi personnellement, si j'y retourne, c'est parce que c'est vraiment ma tâche première, mon objectif, c'est-à-dire de juste fouiller l'endroit. voilà, Oui, nettoyer. moi si j'y retourne, c'est parce que je suis payé. Oui. Moi, Et. Perdrine, à part, je vois pas de quoi vous parlez. Je m'y attendais. Enfin, si, je m'y attendais. Je vais pas raconter de bêtises, je m'y attendais. Du coup, vous étiez retourné à l'intérieur de ce donjon. Je sais même pas pourquoi je vous ai mis Vérora, parce que je sais pas ce qu'elle fout là. Alors, attends, je vous mets sur la map. Je crois que vous étiez amusé la dernière fois, peut-être pas Eryu, à refaire les chemins de ce.
de ce sanctuaire pour retrouver votre chemin. Alors, je suis pas sûr. Ah, si, d'accord. Ok. Alors, c'est très bizarre, il y a une. Une musique. C'est ça, normalement elle est. Effectivement, normalement. Alors attends, est-ce que l'éclairage dynamique est au point? Oui, c'est bon. Donc, oui, normalement tu revois les chemins. D'accord, donc t'as pas les chemins. Donc t'as pas eu le choix. Parce que la dernière partie, pour vous rappeler, je crois qu'on avait passé une partie de la soirée à refaire le voyage de ce sanctuaire dans un sens et dans l'autre, histoire de se souvenir des endroits que vous aviez déjà fouillés. Sauf que. C'est qui la fille que j'ai avec moi? Bah, Vérora, je sais pas pourquoi elle est avec vous. Ah, peut-être que je l'ai mis pour justement faire le chemin. Mais Peut-être. attends, mais Zerora, c'est une druidesse, non? C'est ça? Non, c'est la cousine de du Alphelin. Du Tavernier. Du Tavernier. La cousine, la nièce, pardon. D'accord, parce que j'ai un prêtre qui nous accompagne. Il y a un plein G, une druidesse qui nous accompagne. Sur cette fois-là, je suis pas sûr. Celle qui était là pour récupérer la thune de sa Ah oui, c'est vrai. Yes, bah je l'ai mis où? Merde alors. Bah ouais. Ouais. Attends, non, parce que je crois que celle-là vous l'aviez pas encore vue. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est juste une arche. C'est pour ça que tu peux rentrer dedans. Eh mais attends, c'est quoi ce truc? Genre. Pourquoi j'ai un mec mort devant moi? T'as un mec mort, pourquoi t'as un mec mort? Bah vous l'avez tué alors du coup. Ah oui! Mais c'est. Ça, alors, je me rappelle. Parce qu'au moment où on a arrêté la partie la dernière fois, vous aviez juste passé la porte. Mais laquelle porte? Celle où tu es. Mais alors pourquoi les autres sont pas là? Je crois que c'est parce que. Du coup, Quel je. gars vous êtes, les gars? C'est trop drôle. Attends, je reviens. Oui, non, mais t'es loin là, en effet. C'est trop drôle. Non, t'entends, j'arrive, Ah, j'arrive. c'est trop Mais là drôle. où t'as pingé, c'est une porte qui est fermée pour moi. Là-haut, hein. Ici, ici. Attends, Ah, je la me... mienne aussi, elle est Toi, t'es fermée là? là. Elle est fermée, celle-là aussi. Alors, attendez, je fais téléportation du personnage jusqu'à vous. Que manifestement, je vous ai pas suivi. Non mais si, tu as Et suivi. non mais Mais... je me rappelle de cet endroit-là. Non. C'est là où on avait affronté les Ankheg. Oui. Mais je sais pas si tu te rappelles, Solot, mais du coup, t'avais fait tout le chemin dans un sens et dans l'autre, justement, pour mémoriser les chemins déjà faits. Attends, Oui, en effet, je transfère des cette lignes. porte-là, elle est fermée. Oui, c'est Je normal, vois rien là. vous l'avez pas ouverte. Bah ouais, mais moi j'ai la vision du terrain qui est derrière, entre guillemets. En fait, on voit juste qu'il y a, ça fait comme ça, mais on Oui, sait non, pas ce qu'il y a là par là. moi j'ai la vision de la salle qui est là, j'ai la vision de la salle qui est là, j'ai la vision de la salle qui est là. Alors, bah moi je les avais pas ça. Moi là, je les ai eus en remontant le couloir de la salle dans laquelle j'ai été ici. Oui. Et Oui. par contre, vous voyez le La salle chemin qui est à droite. Moi, je vois le chemin qui est là, oui.
Moi, je vois juste le chemin comme ça. Mais ça se bloque ici, quoi. Alors là, je le vois pas, par exemple. Ah, c'est trop drôle. Ouais, je vois pas un peu le chemin. En fait, je le vois comme si j'avais été positionné ici, moi, je pense. C'est ça. En fait, quand tu fais le tour par là, Deline, effectivement, tu... Normalement, tu tombes derrière la porte au bout d'un moment. Alors, c'est marrant parce que j'arrive pas à retracer le chemin pour tomber derrière cette porte. Attends, c'est-à-dire qu'il me manque littéralement. Moi, j'ai un couloir qui s'arrête là. J'ai pas été plus loin. Je pense que j'ai peut-être dû aller plus loin dans le couloir. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, moi, mon couloir. Il s'arrête là. Donc je sais qu'il part par là, mais je sais pas. Je sais qu'il part par là, mais je sais pas du tout où il va. J'essaie juste de me refaire la perception. Ouais, non. Ah, pardon. Je sais pas comment je suis accédé dans les salles qui sont là. Je pensais que c'était un truc qu'on avait déjà fait. Excuse-moi, Claude. Non, non, mais y a pas de souci. J'essaye de savoir comment est-ce que vous êtes rentré par là. Je m'en souviens plus. Eh ben, c'est ce que c'est exact. Tu vois, là où va Deline, je crois que c'est par là. Mais non, c'est pas possible. Moi, j'ai. Ou alors, je me suis pas fait tout couloir, mais mon couloir, il s'arrête là. Il s'arrête en bas à gauche. Attends, ce serait pas par haut. Putain, je sais pas comment vous avez réussi à aller jusque là. Je suis en train de me gratter le crâne. Mais en fait, t'es sûr qu'on était allé jusque là? Bah, je sais pas d'où vient la représentation. C'est littéralement, moi, j'ai 4 salles visibles devant moi là. Parce que là où est, là où est, là où était Ryu, là où était Ryu, vous avez apparemment tué un type et déjoué un piège. Là, Claude, là où je me déplace, je me dis que pour moi c'est safe parce que j'ai la vie, j'ai la mémoire dessus. Hein, donc normalement, il n'y a rien. Tu parles de là? Oh. Ah non, là je suis ici. Ouais, ici vous avez fait, ouais. En haut à droite. Putain, mais c'est trop chelou. Comment vous avez accédé à la salle? Claude. Ouais. Ouais, là il y a un grand rectangle noir. Du vide. Donc faut marcher en corniche. Là j'ai une zone explorée. Alors par contre, parce que du coup là je crois que par ici c'est la sortie. Je crois qu'on s'est arrêté là, non? Mais justement j'ai... parce que c'est là où il y a les crânes, non? Alors on avait fait les crânes, mais c'est vrai que moi mon perso il était là à la base. Donc, ouais, moi je me souviens de par là. On était. C'est pas déconnant qu'on a été ici. Hein. Parce que là il y avait un piège à feu, je crois. Ouais, j'étais en bas. Hein. Pour se mettre à jour par rapport aux cartes de ce qu'on avait fait, mais je sais pas pourquoi j'avais tellement reçu. Oui, moi aussi. Mais en fait, ce qui me tue, c'est qu'il y a un mec mort. Oui, avec un piège. Où ça? Ici. Non, mais je te parle pas d'ici. Là où j'étais, tout en bas. Là où. Ici. Il y a un mec mort là où j'étais. Ouais, alors là, je ne vois pas comment on y a accédé, en fait. J'arrive pas à retrouver. C'est ça qui me tue. Mais moi aussi, je suis très cher. Attends, je regarde dans le donjon pour voir s'il y avait un passage secret. Parce que, attends, l'autre théorie que j'avais, parce que, ouais, on était venu ici. Là, il y a trois lits par là. Là. Alors, attends. Mais attends, ça veut dire qu'on aurait ouvert cette porte-là. Mais qu'est-ce qu'on a ouvert? Moi, c'est le seul moyen que je vois d'accéder à l'endroit où. Bah oui. Où j'ai, entre guillemets, révélé la carte. Voilà. Que j'ai la salle qui est là, j'ai la salle qui est là, j'ai une salle ici. Parce que, du coup, moi, la salle ici, je. Ouais, la vision, les portes sont pas verrouillées. Il y a juste une porte ici qui a l'air verrouillée, j'ai pas l'idée. Et il y a une petite salle ici qui est verrouillée là. Ouais, j'ai la même. Donc, du coup, alors, excuse-moi Claude, mais du coup, dis-moi
massif ou pas, mais je m'apprête à descendre sur le couloir pour voir si c'est par là qu'on allait. Ouais, ouais, tu peux. La salle qui est là, elle fait plus que je vais t'inquiéter la largeur. Bah, du coup, je sais pas, je vois ça de largeur. Elle fait plus que ça ou pas que... Non, non, elle fait pile ça. Alors, on voit peut-être la même chose, mais c'est pile ça. Ouais. Que je vois pas d'accès à cette salle. Non, bah, justement, en fait, l'accès. L'accès, je t'explique, je te fais la flèche, puis là où j'ai pop, je te ping, j'ai pop ici, et c'est là où il y avait un mec mort, et en fait, la salle, Under Dark. On voit plus de rouge que de blanc, et puis, Under Dark. La mer, son corps n'est pas totalement... Oui, mais en fait, c'est juste là, le joueur ne sait plus comment on dit ça en français. Under Dark... Ouais. Ah, l'autre monde, elle. L'autre monde. L'autre monde, merci. Ouais. Un peu. C'est-à-dire bah, le territoire de tout ce qui est drôle ou varga. Ouais, ouais. Nope. Et cette fiole de poison en cure de drôle à côté d'une reproduction de ce château soudain fait penser ça. Pas vraiment de preuve directe, mais ça me paraît pas déconnant. Ça expliquerait, d'avoir une forêt en souterrain, c'est un peu une lubie et drôle de, malgré leur condition à vivre sous terre, d'essayer de s'accaparer le train de vie de leur congénère de la surface. Et ça explique les araignées. Lesquelles araignées? Oui, parce que... non, non, par contre, j'avais dit qu'il y avait des grosses saloperies, des grosses araignées dans la forêt. Ah, dans la forêt souterraine? Oui, ouais. Ouais. Oui, ça explique. Après, des araignées, il y en a un partout. Hein. Ça pullule. Hein. Ouais, mais bon... Ça fait beaucoup d'éléments indirects qui pourraient supposer qu'il y a des drôles quand même. Il y a des drôles, va falloir qu'on leur tape sur la gueule, c'est tout. Après, c'est que des elfes, ça pèse bien. Bon, après, on verra. Désolé de remettre ça sur le côté, messieurs, mais mission accomplie aussi. Commencer par finir d'explorer ce donjon, ce temple. Manifestement, pas mal de séances, on en a encore pour beaucoup de temps. Ouais, je crois que Passement peut courir. ouais, je pense que vu la vitesse à laquelle on avance, je dirais qu'on en a encore au minimum pour deux voire trois séances, tu vois. Bon, deux séances. C'est pas, hein. Ah, il y a une moitié qui a pas été faite. Je pense, parce que bon, faut quand même se dire qu'on avait déjà fait pas mal de choses. Moi, je me dis que si la prochaine fois bah, on commence directement, qu'on parle quand même Mais... moins. C'est possible qu'en une prochaine séance, on fasse, peut-être en poussant un peu plus tard que ce soit, mais je me dis c'est jouable. Potentiellement au moins une séance, peut-être, hein, puisqu'il nous reste à faire, peut-être. Parce qu'on prend pas plus de temps. Franchement, deux, c'est large. Bah, tu sais qu'il nous reste. Je dirais pas qu'il nous reste la moitié en surface à explorer, mais il nous reste un bon tiers ou moins. Si, si, la moitié. Je viens de faire un zoom arrière, il y a la moitié. Est-ce qu'il nous reste toute la zone en bas à droite là? On n'a pas encore fini la zone qui est ici, et on a encore des pièces inexplorées comme la porte qui est là. Après,
Juste pour rappel, quand je dis que je veux faire l'exploration comme ça, que c'est ma mission, c'est pas non plus genre je ne sortirai oui. jamais de ce sanctuaire tant que ça ne sera pas fini. C'est-à-dire que si à un moment on sent qu'on est sur les rotules, bah oui, on va sortir. Oui, alors tu sais, Myrdrine, entre guillemets, maintenant ça lui pose plus de problème de poser le camp à l'intérieur du château du truc. Je te rappelle. Ah oui. Oui, quand même. T'es un sort où littéralement t'es indestructible pendant 8 heures. Ça va pas avec les règles hardcore de ton jeu là. Oui. Parce qu'il y aurait une Nenelle qui serait là et me dirait oui, mais non, on peut pas faire de repos dans une petite hutte. Ça dépend. Non mais, attends. C'est avec les règles hardcore de Pangé où oui. justement les repos sont compliqués à prendre. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Bah oui, parce que du coup, sur Pangé, tu mets une petite hutte sur un territoire ennemi. Bah, même si t'as une petite hutte, t'es quand même sur le territoire ennemi. C'est ça qu'ils appellent un repos. C'est 8 heures dans des conditions confortables, reposantes. Ah ouais. En pleine nature. En fait, l'altitude te permet de ne pas te prendre un niveau de fatigue, de manque de sommeil. Ouais, donc en pleine nature, tu peux pas, quoi. Bah, en fait, petite hutte te permet juste de ne pas te prendre un niveau de fatigue. D'accord. Ouais, donc en fait, faut le niveau d'au-dessus qui est le manoir de Fordham. Oui, alors quand je dis que c'est le niveau d'au-dessus, c'est le prochain sort qui permet ce genre de blague, mais je crois que ça doit être un niveau 7. Un niveau 5 ou un niveau 7. Il y a un intermédiaire entre les deux. Je sais qu'il y a un intermédiaire parce que je l'ai sur un mage. Sur héros et dragons, t'es sûr? Ah oui, c'est pas sur héros et dragons. C'est pas du tout les mêmes sorts. Entre autres choses, sur héros et dragons, on ne joue jamais un convocateur. C'est de la merde, les sorts de convocation sur le coup. Ah oui, non, mais... Clairement. Là où les sorts sur DD5 valent le coup en convocation, sur Héros et Dragon, c'est de la merde. Ah, la petite hutte, c'est de l'évocation. Ça fait beaucoup d'évocations. Ouais, en tout cas là vous êtes bien enrichi. Et au niveau RP aussi. Enfin, histoire en tout cas. Je pense que par contre on a une bonne équipe pour poutrer les trolls et des coups. Ok. Après moi j'ai quand même claqué deux gros emplacements de Bah, votre. Ouais. Votre druidess n'a rien dépensé du tout. C'est normal, c'est une druidess, ça sert. Et apparemment. Alors, vous inquiétez pas, Death ne s'est pas ennuyé parce qu'apparemment il s'est marré dans son coin. J'ai reçu pas mal de MP. Il a rien dit, mais il s'est bien marré dans son coin. Mais ceci dit, n'empêche que, mine de rien, Myrdrine joue bien son rôle de tank, même si c'en est pas un. Bah, je fais ce qu'il faut pour survivre. Hein. Je suis là, ça va, c'était pas des mobs. Enfin, plus 7 en attaque, quand même, ça fait. Ouais, les trolls, ça fait mal. Pas des mobs, c'est plus simple que ça. Bah, les fantômes, je pense que, heureusement qu'il s'est loupé sur ton image, miroir.
Parce que j'avoue que son jet d'attaque critique là, ouf. Je me rappelle avoir fait une fois ça sur un certain Garrett avec une créature un petit peu plus balèze. Et d'ailleurs, je réponds à ta question avant de l'oublier. À partir du moment où la créature est morte, tu peux récupérer tes points de vie maximum de base. Suffit qu'elle soit morte. Des PV max qu'il a perdu, Garrett. Ah, Garrett. Bah, pour avoir vu la créature, il me semble qu'il faut qu'il boive de l'eau. Donc, c'est pas une question de tuer la créature, hein, c'est qu'il faut qu'il boive de l'eau. Merde alors. Attends. Maintenant que je connais le nom de la créature par cœur. D'à peine 10 ans. Ah, et oh, mais putain. Pour lui, rien à foutre. Non, mais alors, ton pronostic vital n'est pas engagé. Et ça m'empêche que c'est quelque chose qui, normalement, tu est extrêmement désagréable. Ah oui, non, mais ça n'a pas été agréable. Et c'est pour ça que derrière, il s'est déchaîné à coups de poignées électriques et de beaucoup de marteaux dessus. Mais voilà, c'est l'explication du critique derrière. C'est ça, et effectivement, je viens de lire, effectivement. Et du coup, effectivement, pour Garrett, il faut qu'il fasse un repos long et qu'il boive une grande quantité d'eau. Effectivement. Alors. Eryu, tu veux dire à Adeline combien tu t'es pris de dés dans la gueule avec les 10 moules? Les 10 moules que tu t'es pris l'autre jour avec Garrett. Tu te rappelles le critique? C'est ça. Douze des 6. Ça avait fait mal. Ok. Bon, bah c'est bien. Bon, bah on va aller se coucher maintenant. Bah pas tout de suite. Hein. Ouais. Bah, à votre niveau, ouais, c'est ça le truc. Oui, je l'ai fait et en particulier pour Alarion, ça a été un petit peu au sens inverse puisque du coup il y en avait pas mal qui étaient en solo que j'avais pas compté. Et du coup, quand j'ai recalculé, effectivement, ça a été un petit peu moins joli. C'était un petit peu moins festif.
Bah ouais, parce que du coup, il y en a un qui se balade quelque part, il y en a un autre passe-main qui est parti ailleurs. Ça en fait déjà deux. Bon, dans la tête, il n'y en avait peut-être déjà que deux, c'est déjà pas mal, je trouve. Non, non, mais je les compte. Ouais. Ouais, mais les PNJ, les PJ, PNJZ, je les compte pas dedans. Mais du coup. Et il y a eu Garrok qui s'est rajouté. Et du coup, point brillant. Donc ça faisait déjà 4. T'as rajouté? Bah du coup je quand je fais ça généralement voilà et du coup je oui c'est pour ça que du coup je rajoute du coup ce qu'il ramène. Après, oui, mais après c'est ce que je faisais déjà, hein, mais du coup les niveaux sont un petit peu plus longs. Ah non, ça baisse pas l'XP, mais du coup ça rallonge du coup le temps de monter puisque faut que tous les joueurs jouent pour monter. Parce que forcément s'ils jouent pas, ça monte pas. Oui, mais quand je dis jouer, ça veut dire être là à la partie, quoi. Parce que vu que j'ai eu pas mal de parties reportées, bah, du coup, les joueurs n'ont pas joué. Et du coup, il n'y a pas eu d'XP de gagner dessus, quoi. C'est le hic du truc. Les ouais, Hébron et les majestueux visiteurs. Putain, les trolls ils sont. Oui. D'accord. Ouais, donc ça veut dire qu'ils sont 6. Ouais. Sur Hébron, oui, vous êtes niveau 6. Mais on avance, vous pouvez peut-être t'inquiéter. Oh ouais, non, mais. Je m'inquiète pas. Dire qu'il est niveau 6, mais littéralement, là, il pourrait remplir son bien de ma fille avec le pas ça. C'est ça. Alors je sais pas, Pangé et Hébron, j'y joue. Hébron, tu joues en quelle règle? Tu joues en 5ème? Ah oui, c'est là où j'avais commencé à faire mon musical. Oui. Oui. Oh purée. Bon, non, tu m'étonnes. Je veux pas donner de détails de l'autre partie, vu que je joue à la fois sur celle du vendredi et sur le samedi. Non, non, mais de toute façon, tout fort Julien, ne dis pas parce que. Oh, c'est bon. Oh là là. Je vais te sortir, il paraît qu'il y a des liens entre les deux parties, moi à chaque fois je les vois pas. Non, vous les voyez pas.
Ouais. Entre les trois tables, vous avez un lien, mais aucune des trois ne le sait. C'est pour ça que je... C'est pour ça que je me fais des streams. Salut. Et pour info, vous avez mis 8350 XP ce soir. Ouais, après, divisé par le nombre de joueurs. Ouais. Au niveau. Alors justement, je crois que c'est 17, il me semble. Et il y a. Ouais. Steve qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il en a deux. Quand son réveil sonne à 7h, il va déjeuner. Et moi je suis en train de réfléchir à me dire où est-ce que je mets quatrième. Et Stephen a pris son petit déjeuner. Moi je suis en train de me dire que je me rappelle. Par contre, là. Il va falloir que tu justifies la fuite des Kachi et Chris. Comme dans un cauchemar, il va. Pourquoi? Parce que très clairement, elle va plutôt considérer que, compte tenu qu'on était dans une bataille pour la guerre, c'est un peu un abandon, un déserteur. Ah bon? Juste une question. Comment tu considères le départ de Dirt? Le départ de Dirt n'était pas au milieu d'une bataille. Ah oui, c'est vrai. Là, très clairement, on a pris d'assaut un château qu'on a conquis, entre guillemets. Et il y a deux armées, une armée alliée et une armée ennemie qui s'affrontent, et potentiellement pour reprendre le château. Et il y a deux personnages qui fuient la bataille. Du coup. Déserteur, oh, oui, d'accord. Voilà. Non, mais ce qui est très très drôle, c'est que moi je suis en train de m'apercevoir que Dirt, en fait, il a pas dû se battre depuis le niveau 3. Donc, du coup, très clairement, si Jacine survit à la bataille, très clairement, elle va faire passer le mot à sa famille et à tous ses contacts en disant Pikachu et Klisnat sont des déserteurs à toutes les personnes qui connaissent. Après, est-ce que tu mettras Ekachi dedans vu le cadeau qu'il t'a fait? Les deux. Oh, oh, oh la vache. Ça m'étonne pas, Jacine, et tu sais pourquoi Dirt s'est barré justement. Avant de se prendre trop le chaud avec Jacine. Parce qu'il s'est quand même barré sur une engueulade avec Jacine. Oui. Mais c'était pas de la faute de Jacine. Alors, c'était pas de la faute de Jacine pour dire ceci. Non, mais enfin, en même temps, Jacine, je crois que l'un de ses défauts. Que je crois que je l'ai changé avec Mia. Dirt t'as pas apprécié, Dirt t'as pas apprécié que quelqu'un veuille le commander, tout bêtement. Ah bah oui. Et faut dire que, attends, tu me mets un espèce de troufion qui sert à rien à côté et en plus tu veux me commander. Ouais non mais au revoir, bye bye, je dégage. C'est vrai que j'avais changé avec Mia et Jacine parce que je jouais plus Jacine qu'elle a le goût du combat, de la bataille. Mmh. Du chaos de la bataille et la violence.
Ah, mais je dois avouer que cette scène avec Jacine. Mais c'était génial quoi. Et en plus, dire qu'il lui fait ouais, bon bah, bye bye. Il est passé où ce connard? Oh, je suis juste passé au-dessus du toit là-bas. Ah, tu m'étonnes. Donc, voilà, voilà. Et j'ai une idée de reroll au cas où si Jacine me survit. Ah oui! Moi, tu sais. La dernière partie avec Dirando, oui, voilà. À un moment, j'ai annoncé à Claude en MP, bon écoute, je suis déjà en train de regarder le prochain reroll, hein, parce que j'en étais à deux jets de sauvegarde contre la mort ratée. Mm. Voilà, tout bêtement. Ouais. Ah, là, très clairement, il va falloir qu'on réussisse à Crow, sinon potentiellement Jacine ne survivra pas. Non mais en il fait, mourira, en héros. Non mais en fait, tu sais, Ocaris, j'ai encore, enfin, je pense que j'ai encore un traumatisme de la mort de mon PJ sur la table de Runi, ce qui fait que, en ce moment, quand je vois un PJ qui est sur le voie de mourir, j'ai du mal à le laisser mourir maintenant. Je suis encore traumatisé, je crois. Non, pas encore, j'ai du mal, j'avoue. Mais je vais le faire, t'inquiète. Claude, ouais, pour information, la mort d'un PJ, bien fait, c'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver. Ouais, mais mon personnage sur l'autre partie, c'était tellement débile de mourir comme ça. Que bon. Oui, non, mais les morts à la con, oui, j'admets. Je pense que ça ne peut pas être pire que le mien. Je crois que les deux se valent. Je pense que les deux sont du même niveau. Non mais des fois perdre un personnage, c'est con à dire, mais si c'est bien fait, ça peut être un très très bon souvenir. Mm. Moi je sais que quasiment mes meilleurs souvenirs de jeu, y compris de jeux de rôle, alors je sais pas si vous connaissez l'univers de Vampire. Ouais. J'ai perdu dernièrement un perso à l'humanité. Le personnage avait commencé à 7 en humanité. Il a fini, il était à 1. Ouch. J'ai joué toute sa descente aux enfers. C'était un plaisir. Mais c'était vraiment un plaisir. De jouer le perso qui, à la base, était un médecin, c'était un érudit médecin grec, à l'époque antique, et qui littéralement à la fin a annoncé aux potes, quand les potes lui ont dit bon, on a besoin de des informations sur un massacre qui a été fait, il a fait ok, vous me dressez une tente, vous m'amenez les cadavres et vous m'amenez 6 humains, ils sortiront pas de la tente. Les autres se sont pas posé la question, ce sont des jeunes joueurs de vampires. Voilà. Hey, mais tu vas me dire, hey. Par contre, derrière, quand on a fait le saccage de Rome, ah oui. Ils l'ont vu se battre littéralement de manière bestiale. C'est-à-dire sauter à la gorge des mecs en face. Bah, tu fais X. Moi j'ai beaucoup aimé ma partie, ma campagne de Vampire. Bah, c'était avec Louis d'ailleurs. Ah, ça doit être pas mal avec lui. Ouais. J'ai commencé avec un architecte, Ravnos. Voie du péché, et en fait au cours de l'histoire il y a eu un petit pacte avec un petit diable, et en fait après il y a eu un des joueurs qui a failli devenir prince de Paris, et finalement les premiers attentats à la bombe ont débuté avec mon personnage. D'accord. Pour éviter d'être découvert, il a fait quelques attentats. Moi je crois que j'en avais parlé à Solot, je crois, une fois. Moi c'était un bon souvenir de MJ, mais un très mauvais souvenir de table. Puisque, bah oui, tu sais, je t'avais dit, il y avait une joueuse qui des fois voulait, des fois elle voulait pas, des fois elle était en vacances, et du coup fallait l'attendre pour jouer,
Et il y a un jour où, effectivement, pendant un mois, on n'a pas joué parce qu'elle n'était pas disponible. Et 3 semaines où elle n'était pas disponible. Et moi, au bout de la 4e semaine, c'était moi qui n'étais pas là. Et là, ils ont absolument pas attendu. Ils ont joué la partie. Et je fais là, sans déconner, faut pas péter. Et du coup, je fais bon, bah, du coup, c'est pas. Et en plus, c'était pas la première fois. Et du coup, bah, je dis bon, bah, j'ai tout quitté. J'ai quitté le serveur, j'ai quitté. Enfin, j'ai tout bloqué. Et je dis ciao, c'est bon. J'étais un petit peu écœuré parce que c'était peut-être la deuxième fois qu'il me faisait le coup. Et je dis non, c'est bon. C'est pas parce que c'est une joueuse qu'il faut tout de suite privilégier les gens, quoi. Moi Surtout sur aussi du j'ai eu vampire. Quand tu des loupes. mauvaises expériences Quand de table comme ça, j'en ai tu. pas eu tant que ça. Mais c'est surtout que quand tu loupes une session de vampire, en fait, tu loupes pas mal de choses, hein. Potentiellement, ouais, tu peux louper beaucoup sur du vampire, c'est clair. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout apprécié le truc, quoi. Non, moi je sais que ma plus mauvaise expérience de table, c'était sur un Pathfinder. En fait, c'était l'une de mes premières tables en virtuel. Et le MJ avait des trucs à la con. Pour vous donner un exemple, mon perso était au niveau 5. J'étais un mystificateur profane. Donc un magicien voleur. Le mec spé en furtivité. On est un soir de blizzard. Je me mets sous invisibilité. On est de pleine nuit. Et le gars qui est à l'entrée d'une caverne avec un feu à côté de lui arrive à me repérer. D'accord. Là, j'ai fait what? Donc, le mec avait normalement un malus à la vue parce qu'on est en blizzard. En plus, on est en vue de nuit. Et le gars qui est un simple humain arrive à me repérer. Ah oui, c'était un simple humain en plus. Alors que je suis sous invisibilité. Littéralement, avec un sort d'invisibilité et les capacités de mon personnage, j'arrivais derrière lui, je plantais ma dague dans le dos, il ne me repérait pas. En fait, il avait peut-être fait un mix entre vampire et Monster Heart, non? Je sais pas ce qu'il m'avait fait, mais sur ce coup-là, mais. Et il m'a expliqué qu'en fait, bah, c'était le blizzard, c'était la neige qui s'était accumulée sur moi. T'es gentil, mais la neige, quand t'es accumulée sur quelqu'un d'invisible, elle disparaît. C'est, voilà, c'est ça l'effet. Mais Donc, et c'est que des coups comme ça qui nous a fait. J'ai fait, ouais, non, c'est mort, pourquoi? Bye. Si tu veux jouer à Pathfinder, tu joues à Pathfinder un minimum, quoi. Tu ne fais pas des coups à la tête comme ça. Surtout que j'avais fait un personnage, bah, le mystificateur profane, dans le genre perso en donjon hyper utile. C'est un voleur magicien qui était spécialisé connaissances. Donc, littéralement, bah, j'avais des connaissances sur les monstres bah, je pouvais identifier quels étaient les points faibles des monstres. Y compris quand on se retrouve avec des momies, dire bon, bah, les gars, c'est pas la peine de l'attaquer avec ça, par contre, il faut que le feu, il va pas aimer. Ça tombe bien, on avait un druide qui avait des sorts de feu derrière. Et c'est que des conneries comme ça. Le BMJ, c'était que des conneries comme ça qui pensaient. Ah ouais, c'est sûr ça. J'ai pas beaucoup de sorts de feu. Hein. Je prends pas plus de DPS du coup. Ouais, mais sur Pathfinder, les druides sont spé en dégâts de feu, d'électricité, principalement. Voilà. Ils ont très peu. Ils ont des sorts qui font des dégâts de froid, mais pas tant que ça. Ils ont très très peu de sorts qui font des dégâts d'acide. Hein. Ils ont pas mal de sorts qui font du debuff à du poison. Donc voilà. Mais sinon, au niveau sort de dégâts, en général, ils font du feu ou de l'électricité. Bonne nuit, ouais, puis à demain, ouais. Demain soir c'est majestueux, et puis dimanche soir c'est Baran ou c'est la bataille finale, c'est ça? Alors non, pas la bataille finale, la seconde bataille. Parce que du coup, la première c'était la prise du château. Et là c'est quelque chose d'autre qui vous arrive dessus. Et je ne spoilerai pas cela du coup.
Ouais. Sur Ebert, tu joues en 5ème édition, donc avec les sorts et capacités de la 5ème édition. Oui. De FDD, pardon. FDD. Donc 5ème. Oui, alors. De D5. Pardon. Ouais. Je crois que EdDD utilise 5ème tools, hein. Enfin les mêmes règles que 5ème tools. Après, il y a des trucs en plus normalement sur 5ème tools parce que c'était la version. Mais je veux dire qu'au niveau des sorts, au niveau des sorts, EdDD est un petit peu plus fort. Sur ADD, si je peux te le dire, parce que je joue à... Oui, sur ADD, je le sais. Sur 5ème tools. Non, il n'y a pas d'optionique. Je vois. Ouais, non, c'est que je suis sur les bouquins de base. C'est que je suis configuré de base sur les bouquins de base. Et si je regarde au niveau des filtres et que je rajoute, ouais, faudrait que je rajoute. Mais du coup, la question, c'est est-ce que tu aurais besoin d'un magicien spé convocateur? Un truc très très chiant à gérer. Sur une de tes tables. Alors, je vais dire celle du vendredi, mais tu vas me dire que le vendredi t'es pris. D'accord, parce que du coup, effectivement, sur la table de RU le vendredi sur Hebron, effectivement, ils auraient besoin d'un magicien. Oui. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as déjà deux animaux qui vont taper dessus et t'en as un autre, t'as un troisième qui va arriver. C'est très bien. C'est pas grave, je l'essaie. D'ailleurs, je te conseille de prévoir Claude. D'accord. Ok. Pour Samsala, en tout cas. Samsala, tu fais. Attends, oui. Avec Herbo et Dragon, les convocations, c'est de la merde. Pas convocation, c'est invoqué. Ah oui. C'est ça que j'aime pas. Bah déjà des animaux depuis de facteur 2, c'est déjà pas mal. Oui, tu regardes dans 5ème édition, tu regardes le sort de même niveau d'invocation d'animaux. C'est un sort dont le bonus à l'attaque est en fonction de ton bonus à l'attaque du sort. Et la CA et les points de vie de la bestiole sont en fonction du niveau de sort que tu utilises. Le nombre d'attaques, même chose. Ça fait tout de suite une différence. Ça rend ton invocation beaucoup plus intéressante et stable. C'est sûr. Parce que là, tu jettes à plus haut niveau, tu jettes plus de petites créatures. Et tu jettes que des petites créatures. Alors, oui, t'as certaines créatures qui sont pas mal. Oui, si tu utilises des emplacements supérieurs, t'as le nombre qui augmente. T'as juste le nombre qui augmente. Moi, je vais prendre un sort de niveau 3. Hein. Sort de niveau 3, on va faire le Shadow Spell. Non, la fée. Invocation de fée qui est aussi un sort de druide. Hein, qui fait en fait que tu invoques un esprit fée. Et l'esprit fée, il a littéralement au niveau des caractéristiques
plus le niveau du sort. Des points de vie qui sont égaux à 30 plus 10 points par chaque niveau au-dessus du niveau 3. C'est un sort de niveau 3. L'immunité au charme, etc. Multi-attaque, il a un nombre d'attaques égal à la moitié du niveau de sort utilisé, arrondi à l'inférieur. Et chacune de ces attaques a comme modificateur au jet d'attaque ton modificateur de spell attaque, d'attaque de sort. Et il fait en dégâts 1d6 plus 3 plus le niveau du sort utilisé. Donc tu vois, c'est même intéressant d'utiliser des sorts de plus haut niveau pour le sort d'invocation. Parce que ça te fait une bestiole qui est plus efficace. Et ça, c'est juste un sort de niveau 3. Les sorts à plus haut niveau sont. Et ça dure combien de temps? De quoi? Concentration jusqu'à une heure. Okay. Et c'est une action pour invoquer. Par contre, tu as un composant matériel qui n'est pas consommé, qui coûte 300 pièces d'or. Sur Héros et Dragon, ça coûte rien. Ça coûte rien, mais voilà, c'est les trucs. Sinon, t'as le Shadow Spawn, hein. C'est un nombre de Shadow Spirit, hein, qui a moins de classe d'armure, qui a plus de points de vie, et qui a des attaques qui sont différentes, y compris sa plus attaque spéciale. Le même principe en multi-attaque, le même principe au niveau des attaques de mêlée, ce qui est fort, etc. C'est vraiment en fonction